Je sentirai des bouquets. Salut, bonsoir, 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 bonsoir à tous. Un petit direct de causerie. Ok, maintenant ça. Hey, salut, comment allez-vous là? Merci beaucoup. Oh, merci. Ok. Merci. Mariam Cano, salut, salut, le premier commentaire. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonsoir madame, moi je peux croiser monsieur Nadji. Il m'a demandé que d'études en anglais ou de fait. Ok. Bon, après on va répondre au message. Oh, comment vas-tu ma chère? Eh, hey, moi c'est ma soeur Francine Ba, comment vas-tu? Francine Ba de la chaîne de la joie. Comment tu vas? Sarah Berthé, je vais bien, merci. Merci Nicole Schneider, ou bien, oui c'est ça, Schneider, comment vas-tu? Larissa B, comment ça va? Merci. Mes impactés, je suis là toujours pour vous dire merci. Merci beaucoup. Merci parce que vous me gâtez beaucoup. Merci pour les cœurs. Voilà. On est là. Merci. Voilà. Oh, comment allez-vous? Mais pourquoi les messages ne montent pas au fur et à mesure? Hey, Aksu, Axel Daniel Bouchard, Bayeré, comment tu vas? Ma poupounette, tu vas bien là? Merci beaucoup pour les cœurs. Ouais, j'ai vu que vous avez apprécié le vlog là, ça a été apprécié. Ouais, quand je suis réveillée le matin et puis j'ai vu là, je dis wow. Merci beaucoup, merci à tous. Je suis là pour vous dire merci parce que mes impactés. C'est sûr que je regarde d'autres, ça dit, comme je dis, je suis pas abonné à beaucoup de pages, mais je suis quand même, il y a des directs sur lesquels je tombe dans les fils d'actualité. Je vois qu'il y a personne qui est épargné sur les réseaux sociaux, même les bonnes dames qui font la cuisine. Je vois des bonnes dames qui proposent des astuces de cuisine, qui font des recettes, même celles-là qu'on leur fait pas cadeau. Merci beaucoup ma soeur Francine Ba pour les cœurs. Oui, Francine bat comme ça, la chaîne de la joie. Elle n'a jamais insulté personne. Même sur sa page là-bas, il y a des commentaires négatifs. Il y a des injures, il y a des commentaires méchants. J'ai regardé un direct autrefois là. Vous étiez 3000 et 4000 là-bas. On vous montrait comment il faut manger dans de la belle vaisselle. Là-bas encore, il y a eu des commentaires négatifs. Elle aime se faire remarquer. C'est toujours ça. Mais Dieu merci. Dieu merci. J'ai compris que les aigris, il y en a partout. Même si Dieu veut quitter la ville, il faut aller vivre au campement. Si ton habit est un peu plus joli que pour l'autre, là, il va tout y avoir la jalousie. C'est ce que j'ai fini par comprendre. Sinon, des femmes qui font la cuisine sur les réseaux sociaux, pourquoi on va insulter une dame comme ça? Mais même elle, encore, on l'insulte. Et moi, j'ai fini par comprendre aujourd'hui que oui, c'est vrai, hein, on peut pas faire l'unanimité. On peut pas faire plaisir à tout le monde. Mais dans ce lot-là, j'ai mes personnes. Quand je dis mes personnes sur ma page, des personnes vraiment qui sont fidèles. Aujourd'hui, comme ça, là, je suis tellement de bonne humeur. J'ai débloqué tout ce que j'avais bloqué sur ma page. Je suis là pour vous dire ça. Je vous ai débloqué. Je vous donne encore une seconde chance. Eh, c'est une seconde chance que je donne. Parce que j'ai bloqué deux impactés, oui, que j'appelais mes personnes. Je les avais bloquées. Elles sont venues dans mon WhatsApp ici. L'impacteuse, moi, je suis ta personne. Mais tu es ma personne, mais le commentaire que tu as mis là, est-ce que c'est commentaire de ma personne? C'est pas commentaire de ma personne. Si tu dis que je suis ta personne là, si j'ai fait un post ou bien. D'ailleurs, mais c'est même pas un post. Quand je fais un post et puis tu dis,
Tu aimes trop te faire voir, tu aimes ça là. Mais j'aime me faire voir aussi. C'est pour me faire voir ici sur les réseaux sociaux. Vous avez oublié ça. C'est pour me faire voir. Si c'est pas pour me faire voir là, ma soeur Francine, bah, mes quelques amis là, ils connaissent ma page privée. Si je suis sur les réseaux sociaux, c'est pour me faire voir. Il y a d'autres qui se font voir dans la cuisine qu'ils proposent. Il y a d'autres qui se font voir dans les services qu'ils proposent. Moi, je me fais voir de par mes conseils. Moi, je me fais voir de par ma façon de galvaniser les gens autour de moi. Maintenant, si c'est le décor avec lequel je me fais voir qui vous fait souffrir là, je vous ai dit que attachez votre kissou. Parce que si tu viens sur ma page là, tes yeux vont voir. Je vous ai déjà dit ça. Il a dit que sur la page de l'impacteuse là, c'est que tu ne veux pas voir. Puis, ça dit comme on dit là, ton cœur a été serré là. Tu vas voir ça sur ma page. Donc si tu dis que tu es ma personne là, que tu me dis, tu aimes trop te faire voir, je te bloque. Mais aujourd'hui là, j'ai débloqué tout le monde. Ben, je suis de bonne humeur. Et puis, j'ai reçu une bonne nouvelle que je garde pour moi. J'ai reçu une très bonne nouvelle dans ma vie. Donc je dis bon. Souvent, il y a des gens qui sont tes personnes, qui sont tes impactés, qui posent des commentaires, qui t'énervent, et puis après, tu les bloques, tu regrettes. Donc, je dis, bon, je vais regarder dedans. C'est là où Wendy m'a dit, mais maman, tu ne vas pas être injuste. Tu vas débloquer d'autres, et puis tu vas laisser certains. Donc, en même temps, débloque. Donc, je vous ai débloqué, vous tous. Mais soyez prudents. Soyez très prudents. Parce que si vous faites erreur de Gawa encore là, je vais vous bloquer. Et puis là, ça va être pour de bon. Voilà. Vous comprenez? Je ne sais pas pourquoi vous souffrez. Je ne sais pas. Il y a des pages où on vous montre des sacs à main de 10 000 euros. On vous montre ça là-bas. Vous laissez toutes ces pages. Il y a des pages où on parle de j'ai dit que moi, l'impact sur ma page, je ne suis pas là pour parler entrepreneuriat. Moi, ma page là, c'est une page pour galvaniser. Il y a des pages aussi où on fait les éloges de l'Afrique, où on fait les éloges du pays. Moi, je ne peux pas faire les éloges du pays parce que je ne crois en rien là-bas. Moi, je fais éloge d'ici là, parce que ici là, j'ai la liberté d'expression. C'est pour ça que je fais l'éloge de où je suis. Il y a toujours fait l'éloge du Canada, parce que ici, j'ai la liberté d'expression. Tu es libre, ça dit que tu es libre de dire tes pensées. Mais tout en respectant quand même, ça dit que le béaba qui est le respect de l'autre. Parce que là où toi aussi, ta liberté commence, il faut te dire que l'autre aussi a droit à la liberté. Donc je ne peux pas faire les éloges de l'Afrique, même si je suis africaine, parce que c'est ça qui vous fait mal. Un certain quoi qui a mis un commentaire comme quoi, oui, j'oublie son nom là même là, quelque chose, Neville quoi là. Oui, tu parles de Papineau, tant, mais j'ai parlé de Papineau là-haut. En quoi est-ce que ça te dérange? En quoi est-ce que ça te dérange? Quelqu'un qui vit à Gonzacville, c'est moi qui ai dit, n'a qu'à aller vivre à Gonzacville. J'ai dit que des commentaires stupides comme ça, arrêtez ça sur ma page. C'est pour ça que je suis là ce soir. Je suis là pour galvaniser mes personnes. Je suis là pour apprécier mes impactés. Parce que mes impactés, vous me gâtez. Ça, je ne peux pas mentir. Il y a d'autres mecs qui me font plein de cadeaux comme ça. Ils me disent l'impacteuse, pardon. Je sais que toi, ton merci finit pas. Tu aimes trop dire merci. Mais moi, je ne veux même pas que tu dises mon nom. Je ne veux même pas même que tu dises. Donc, ces gens de personnes, je laisse. Je dis d'accord. Si tu ne veux pas que j'en parle, je laisse. Sinon, les cadeaux des impactés. Il y en a plein qu'on m'envoie. Actuellement, il y a un colis même qui se prépare de l'Italie pour venir me trouver au Canada. Colis de chaussures. Et c'est ces chaussures que je n'ai pas. Mais elle m'a dit, ma soeur, tu es tellement vrai, tu es tellement, ça dit que tu es tellement généreuse que je vais t'envoyer ça. Elle a payé son argent. J'ai dit que, pardon, moi-même je veux payer les frais d'expédition. Elle dit, ma soeur, c'est pas la peine. Moi-même, j'ai payé quand tu as recevoir ça devant ta porte. La mère impactée de New York, quel travail est fait pour elle? J'ai fait quel travail pour la mère impactée? Et le problème, c'est que c'est ça qui fait que souvent je me retiens. Parce que c'est les bonnes personnes même qui me vouent leur amour. Des personnes, quand elle dit bonne personne, pas forcément des personnes, quand tu vois, elle m'envoie leur profil, je regarde, je dis ouais. C'est ça qui fait que je me retiens souvent. Sinon, mon sang est chaud, vous-même vous connaissez. Mais quand je pense à des gens comme la mère de Los Angeles, mes mamans qui sont habillées, oui, des grandes dames qui sont habillées, qui me suivent, je dis mais pourquoi elle est venue toujours répondre à ces niams célèbres là. J'ai mes filles aussi, habillées, plein comme ça.
Elle dit, la mère, tu es dur. On sait que souvent tu es dur dans tes propos, mais on sent que tu as un bon fond. Nous, c'est ton fond qui nous intéresse. Donc, toi, tu m'as posé le commentaire de Gonzague Villa. C'est ta réponse que je te donne là. Ma page là, c'est pour me faire voir que je suis ma page. Retenez ça pour de bon. Si je voyage même là, je me lève ceci. S'ils ont ouvert les frontières là, quand je suis parti à Los Angeles là, je vais faire des vlogs là-bas plein. Partout, je vais partir, je vais faire des vlogs. J'ai dit que vous en aurez plein la vue. Si vous ne pouvez pas supporter, vous allez sur les pages où on fait, comment on appelle ça, l'évangélisation, ou bien où on fait entrepreneuriat. Chez moi ici, il n'y a pas ça. Moi, je suis là pour encourager les gens. Je suis là pour encourager, mais dans l'encouragement aussi là. Je suis là pour parler du Canada. C'est la seule partie qui fait souffrir. Et c'est les gens souvent qui sont au Canada qui se plaignent. Elle fait comme si au Canada là-bas, mais toi-même tu sais que tu vis ici, donc tu connais la réalité. On va plus revenir sur ce détail-là. Mais je suis là pour vous dire merci, mes impactés. Merci. Je me sens fière. Je me sens. Ça dit, vous me galvanisez. Ok, la mère, j'ai vu ton message. Vous comprenez? Les nouveaux arrivants qui arrivent ici, là. Merci beaucoup, ma soeur Francine. Bah, je vois que tu vas bien. Les nouveaux arrivants qui arrivent, malgré que j'ai fait la vidéo sur tout Welcome to Canada, les nouveaux arrivants qui sont au Canada, qui arrivent ici, qui arrivent à me joindre, je continue toujours de les coacher. À d'autres mecs qui étaient découragés dans la recherche d'emploi, je leur ai dit, mais un emploi là, c'est pas parce que tu habites à Montréal que tu vas forcément chercher l'emploi à Montréal. Pour vous dire que j'apporte du positif dans des vies. J'apporte du positif. Donc si c'est avec ma personne que tu as un problème, je suis désolé, je plais à des gens. De un, j'appartiens à une grande famille, une famille noble, une famille des intellectuels. Dans ma famille, il n'y a pas voleur. Il n'y a pas voleur dans ma famille. Dans ma famille, nous sommes la famille des intellectuels. Les gens qui sont dans ma région, là, quand ils voient le nom de mon père, ils savent de qui je parle. Donc je ne suis pas sorti d'une famille de Niamsele. Vous comprenez? C'est parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Donc souvent, des gens qui sont... Ça dit que des gens même qui ont de la misère même à s'occuper de leur famille, eux aussi, ils veulent venir... Ça dit qu'ils veulent venir t'abattre moralement. Mais j'ai dit que moi, il n'y a personne qui va m'abattre. J'ai dit que quand Wendy va avoir ses petits-enfants-là, dans 25 ans comme ça, c'est là qu'il est quitté sur les réseaux sociaux. Sinon, je suis encore là. C'est ce que je tenais à vous dire. Aux aigris. Au nez pour souffrir. C'est pour vous que je fais ce message ce soir. Vous allez voir les vlogs pleins. C'est Covid qui a gâté. Attends, je me mets sous silence. Avec elle, quand elle commence à appeler, ça n'arrête plus. Voilà. Vous comprenez, les vlogs, vous allez en avoir plein. En décembre seulement, j'ai pris Dieu seulement. Ils n'ont qu'à ouvrir un peu les frontières. Si ils ont ouvert là, je vais vous en mettre plein la vue. Je vais vous donner comme ça, plein de vlogs, partout je passe. Donc désormais, retenez ça. Je suis sur ma page pour me faire voir. C'est pour ça que je suis là. Voilà. Il y a déjà vu des blogueurs qui ont montré dans leur chambre à coucher. Il y a d'autres qui ont montré ça sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais fait une vidéo, j'ai dit voici ce que j'ai, voici ce que j'ai. Si je manque, quelqu'un me dit ça ici. Je n'ai jamais fait de vidéo. Oui, c'est ça, Axel, Daniel Bouchard, ma poupoune. Vers la fin, là, c'est Django qui sera souffert avec les images. Je n'ai jamais fait de vidéo où j'ai dit voici mon environnement, voici où je vis. Je n'ai jamais fait de vidéo comme ça. Mais dès que je fais une vidéo, ou mon décor, ça dit que c'est mon décor qui vous fait souffrir. C'est le fait que je ne vis pas en appartement. Et puis quand je fais mes vidéos, et puis je montre, ça dit que je monte dans ma voiture, je monte là. Vous avez dit que voiture c'est quoi? C'est pas tout le monde qui a voiture en Occident. Je vous dis ça aujourd'hui, oha. Par exemple, on parle, la voiture n'est rien en Occident, mais voiture n'est rien là-haut. Est-ce que ça se ramasse dans les rues? Faut travailler. Faut travailler. Marie Devani, comment vas-tu? Faut travailler pour avoir. Anta Sidibé, comment vas-tu, ma personne? Si tu ne travailles pas, ce que tu vas avoir.
Je suis comment je suis là, mais j'ai toujours de la compassion pour ceux qui souffrent. J'ai la compassion pour des gens qui souffrent. C'est moi qui prends la cause des autres. J'ai fait bidon dans ma piscine, ça vous a fait souffrir. J'ai fait bidon encore dans mon spa là. Vous allez tomber en syncope. Est-ce que c'est ma faute? C'est pas de ma faute. Donc aujourd'hui là, j'ai débloqué beaucoup. Les jaloux vont très mourir, félicité. D'autres font les vidéos, je vois plein. Il y a une qui a acheté un canapé, une que j'aime bien suivre souvent dans les fils d'actualité, je ris. Elle a acheté un canapé de près de 4000 euros. Elle a mis ça, son canapé coûte 4000 euros. Ça fait quoi? Nous autres, on est partis, on a mis des petits cœurs, on est passé. Mais vous êtes toujours après moi, tu aimes te vanter, tu aimes te montrer. Est-ce que c'est chez vous que je prends l'argent pour faire, pour faire mes vidéos dans mon décor? Je ne vous dois pas ça là, je vous ai déjà dit dans les premières heures de mes vidéos. Les aigris de l'impacteuse, les aigris, ça dit que les nez pour souffrir qui sont sur la page de l'impacteuse, c'est pour vous que je suis là ce dimanche. Demain c'est Thanksgiving. J'ai montré le passeport canadien, vous avez souffert de ça. Elle vante le passeport canadien. Aïe, je ne vais pas vanter ce passeport-là, je vais le vanter à nos hôpitaux qui sont comme des mouroirs là-bas, mais on parle politique seulement. Avec ce passeport-là, je suis malade ici, on me soigne. Parce que c'est l'un de mes taxes qu'on prend pour faire. L'argent, l'argent d'ici, là, ça va où, là où ça doit aller. Voici pourquoi moi, je fais les mérites de là où je suis. Maman, je vais venir à Igor Romaric, je vais venir à New York. C'est parce que New York, là, c'est... Excusez-moi, les frontières ne sont pas encore bien, bien ouvertes. Elles sont ouvertes de façon partielle. Sinon, New York, c'est mon bastion. Quelqu'un, sa face ne te plaît pas. Et le problème, c'est que sa face ne te plaît pas, mais tu es toujours là à venir commenter. Tout le temps, commenter, commenter, pour venir poser des commentaires négatifs. Pourquoi? Pourquoi se donner tant de souffrance? Pourquoi vous donnez tant de souffrance? Je ne fais pas partie de votre famille. Je ne vais jamais faire partie de votre famille. C'est juste la vie des réseaux sociaux. Occupez-vous de vos affaires, s'il vous plaît. Les aigris qui traînent. Le comble, c'est que vous traînez sur toutes les pages. C'est ça. Vous traînez sur toutes les pages. Vous, c'est aigris. Vous êtes sur toutes les pages. On s'en va, on vous voit. Nous, les blogueurs, là, on n'est pas abonnés, mais on vous voit là-bas. On vous voit là-bas. Vous posez ici, vous posez ici. Et vous voulez que nous autres, on prenne vos avis en compte. Tu veux, faut faire comme ça, faut faire comme ça, faut parler immigration. Actuellement, quand vous regardez sur YouTube, là, il y a combien de personnes qui parlent immigration actuellement? Si ce n'est pas pour parler des petits sujets béaba, il n'y a pas de nouveau dans l'immigration. Donc, s'il n'y a pas de nouveau dans l'immigration, d'ailleurs, il y a des personnes, il y a vu qui parlaient que immigration. D'autres, maintenant, ont commencé à parler de violence conjugale, ont parlé de. J'ai dit, ah, immigration, il n'y a rien là-bas. Donc, il faut se mettre quelque chose sous la dent. C'est tout à fait normal. Ça encore, ça vous fait souffrir. J'ai dit que j'ai travaillé pour venir au Canada. Canada là, j'ai. Ça dit que quand je faisais ma procédure d'immigration, même là, c'est dans Kete, j'ai fait procédure et puis je suis venu. J'ai travaillé. Donc, n'ayez pas la jalousie dans votre cœur. Je n'oblige personne à m'aimer. Mais même si tu ne m'aimes pas, il faut me respecter. Si tu n'es pas capable de me respecter, que tu viens me manquer de respect, un certain Ahmed Tan qui parle, oui, je t'aime, mais tu aimes te vanter. Je t'ai demandé de m'aimer, toi comme ça, là, si toi tu ne m'aimes pas, qu'est-ce que ça apporte à ma vie? C'est votre phrase, tu aimes te vanter, là. Je suis sur les réseaux sociaux pour me faire voir. Quand il dit me faire voir, là, ça dit que partout où je suis, je me fais voir. Les seuls endroits où je ne peux pas vous montrer là, c'est peut-être que je suis dans mes toilettes ou bien je suis dans ma chambre à coucher. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo une seule fois dans la chambre des visiteurs quand j'avais fait une vidéo pour soutenir le gars qui avait perdu sa page. Il se faisait tard, j'ai dit bon, j'allais dans la chambre. C'est la seule place où je ne peux pas vous montrer où je fais vidéo. Sinon, partout, je vais vous montrer. Donc, s'il vous plaît, voilà. S'il vous plaît.
Vous comprenez? S'il vous plaît. Je n'ai obligé personne à venir sur ma page. Ça, je le dis aujourd'hui. Je n'oblige personne. Il y a des pages là-bas où des gens se connectent. Ça fait déjà, ça fait 6000 personnes en vue. 10000 personnes en vue. Allez là-bas. Mais sachez que des gens qui m'aiment, j'en ai plein. Il y en a beaucoup. Beaucoup qui me le prouvent avec des mots. Avec, ça dit que non, le soutien. Vous n'aimez pas, mais vous êtes là. Moi, je me torture une blogueuse qui ne m'intéresse pas. Elle dit quand elle prend de mon temps pour aller commenter sur sa page, jamais. Je n'ai jamais mis un crâne de mode, un direct. Moi, l'impacteuse, avant même que je sois l'impacteuse, je n'ai jamais mis un crâne de mort dans un direct de quelqu'un. Il a dit pourquoi il met un direct. Si la personne, c'est que la personne dit ne m'intéresse pas, je quitte sur son direct, je m'en aille. Mais vous, c'est pas ça. Espérance Dion, comment vas-tu? Vous, c'est pas ça. Mini, comment ça va? Oui, c'est ça, c'est pas ça. Dès qu'on parle de tel sujet net, vous venez, vous mettez les crânes de mort. Pourquoi? Pourquoi? Je suis là pour vous dire d'arrêter ça. Allez ailleurs. Allez ailleurs. Y a, on est des milliers. Comme dit le roi, vous, votre travail là aussi, chaque jour, il y a de nouveaux visages dans votre travail des blogueurs. Là, des nouveaux visages. Comme il appelle blogueurs, les blogueurs bougeons. Chaque jour, ça pousse, ça sort de terre. Donc, il y en a plein comme ça. Il y a des nouveaux qui ont besoin d'être connus. Si vous voyez leur page qui disent des choses intéressantes, vous pouvez vous aller là-bas. Allez ailleurs, s'il vous plaît. J'aime personne. Et mes personnes, dès qu'ils sont en direct, moi, je m'en vais là-bas aussi. Donc, passez votre route. C'est ce que je tenais à vous dire. Maintenant, la deuxième partie. Ma soeur Francine, bah, tu as vu, hein, on ne sait pas si cette affaire-là, c'est la vérité. Ou bien si c'est un buzz, là. Une tisa maintenant. La tisa, tu sais que la tisa a récupéré le gars, hein, je ne sais pas si tu as vu ça. Il était tagué dessus. Une tisa maintenant qui fait maintenant les directs avec le gars. Les femmes, moi, je suis là pour vous donner un conseil. J'ai fait une vidéo, j'ai été dernièrement, j'ai été très dure à l'envers des femmes qui sont dans des foyers. S'il vous plaît, quel que soit le... Francis, tu ris. Oui. Comment ça se passe? Je vais répondre au messages, les messages que vous m'aviez laissés sur le WhatsApp, je vais répondre dans la nuit. Maintenant, je préfère répondre tard dans la nuit et puis là, le matin, je vois vos messages parce que quand je réponds au fur et à mesure, vous répondez ça. Oui, merci Jennifer Traoré. Je vais rester telle. Comment je vais changer? À mon âge là, je ne peux pas changer là. Là où je suis rendue là, je ne peux plus changer. Je suis comme ça. Il y a beaucoup de pages, des gens peuvent aller. Je sais que j'ai ma façon d'être, mais je ne suis pas. C'est pour les gens qui me connaissent, ils savent qui je suis. Donc, bref. Donc, je disais que la Tisa maintenant, je ne sais pas si vous avez vu ça comme moi. La Kiza a fait maintenant un post pour affirmer, pour confirmer que désormais c'est elle qui est sur le terrain. Les femmes, moi je vous conseille, que vous soyez mariées légalement ou pas avec un homme, c'est jamais une bonne idée d'aller agresser la femme dehors. Vous comprenez? Elle est partie agresser cette fille-là aujourd'hui et ce monsieur-là est assis à côté. Je sais pas si c'est un buzz ou bien. Je sais pas. Moi chérie, Marianne PC ou bien toi, je sais pas pourquoi jusqu'à présent je t'ai pas bloqué de ma page, mais je suis de bonne humeur. C'est pas tout, on peut vous dire. Vous croyez que c'est tout le monde qui est dans fait de crédit. Il dit que le seul crédit que j'ai, c'est ma maison. À quelque chose, malheur, bon, dans la vie. On m'a volé ma voiture, j'étais triste ici, là. Qu'est-ce que vous avez dit ici? D'ailleurs, on m'a dit, fait le malin. La voiture qui va venir, là. Mes assurances sont tout couvertes. La nouvelle voiture qui vient, zéro. Pigini. Couvert totalement. Celle que vous avez vue, on m'a dit, faut essayer si elle te plaît. Mais je n'aime pas les Kia. Celle que vous avez vue hier, on m'a dit, c'est 2020. Le concessionnaire m'a dit, essaie, si elle te plaît, tu vas la mais elle ne me plaît pas, donc c'est ça.
Donc, les affaires de crédit, crédit là, c'est pas tout le monde. Les seuls crédits qu'on a ici, c'est nos maisons. Mais nos maisons, on paye ça comme nos loyers. Donc, moi, dans ma tête, c'est pas considéré comme un crédit. Voilà. Francine, bah, on n'aime pas, mais on laisse pas. Donc, la Kiza, comme je dis, a dit maintenant, elle est le gars officiellement. Bon, on a vu aussi la titulaire. Je sais pas si c'est un buzz, c'est pour ça que j'en parle avec un peu, avec une pointe d'ironie, là. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je crois que non. C'est pas une bonne idée. Aucune femme ne doit aller menacer Déon. Non, une femme, tu dois pas faire ça parce que quand tu t'as menacé là, tu vas fragiliser la situation. Oh, Antoinette Benson, salut. Comment tu vas? Ah, en tout cas, Mariam, c'est toi-même là. Où elle-même? Yes, souvent, vous mettez Mariam alors que c'est le garçon qui est derrière. C'est pour ça. Vous êtes partout, vraiment. Et toi aussi, t'es déjà vu sur un direct. Toi, Mariam PC. Souvent. Kambala, Diana, Louange. Les bons sujets n'intéressent pas. Faut pas se blaguer ici. Oui. Débattons, quoi. Les bons sujets n'intéressent pas sur les réseaux sociaux. On a fait l'expérience. Ma soeur Francine battue en ligne, on connaît ça. C'est ce que vous dites, mais les bons sujets, ce n'est pas les sujets qui intéressent. Aïe! Quel bon sujet à traiter ici? Peut-être que si le bon sujet est relié à un buzz plus tard, oui. Mais il n'y a pas un bon sujet qui intéresse. On va parler de culture, de ta. Non, il faut laisser ça. Ah, moi c'est ça. Et critique, tous mes directs qui viennent de faire en critique, on dit, elle c'est la paix, elle c'est tant. Mais on visionne. Toujours connecté. C'est ça. On critique, mais on est là. Un bon sujet n'intéresse pas. Et mon bon petit là, il est venu, il a les bons sujets, ça a donné quoi? Ça n'a pas donné pas à tout. Je me débat à lui-même pour faire mousser ses affaires. Il dit, mais la mère, pourtant les sujets qu'il dit, mon petit, il faut laisser ça. Ce n'est pas les bons sujets. Il dit, nous sommes là pour nous donner du travail. Ah, en tout cas, vous êtes là pour nous donner du travail. Hein? Vous êtes là pour nous donner du travail. Bon sujet n'intéresse pas. On dit, tu as poisson, quoi? Attends. Hey, Prudence Tumou, comment tu vas? Allez, ouais, c'est ça, Fatmata Diarra. En tout cas, moi, j'aime personne, vraiment mes bonnes personnes qui m'aiment beaucoup. Je suis là pour vous dire merci, toujours. Merci beaucoup. Ouais, c'est clair. La phrase que vous aviez dans la bouche, quand la femme policière m'avait dit, je dis que ils ont les peuples africains qui sont sur les réseaux sociaux ont dit, si tu ne veux pas te faire ça, qu'est-ce que tu as? Non, je l'ai vu. Ok. Si tu ne veux pas te faire insulter, tu ne viens pas sur les réseaux. La dame est tombée des nuits, elle dit, ah oui, ça se dit, c'est normal, donc c'est gratuitement qu'on vous insulte sur les réseaux sociaux. Je dis oui. Elle dit, ben, parce que vous parlez de. Vous faites des sujets, vous injuriez des gens. J'ai dit, non, pas nécessairement. Je peux faire des sujets où je traite de tout et puis on m'insulte. Elle dit, ah bon? Ah, ok, d'accord. Mais tu ne me suis pas, mais tu es là. C'est aujourd'hui que je t'ai débloqué. Diana Louange, la preuve, je t'ai débloqué, tu es venu. C'est tout de suite même, je t'ai débloqué. Tu ne me suivais pas parce que je t'avais bloqué. Je t'ai dit aujourd'hui, ce soir, je viens de te débloquer. Mais la preuve, tu es sur mon direct. Gloire à Dieu, salut à toi depuis la Philadelphie. Ouais, mais je ne fais trop rien. À un moment donné, ça fatigue. Sur les affaires. Ouais, dans la chambre. Mais oui,
Tu dis non, je ne te suis pas. Voici pourquoi tu ne me suivais pas. C'est parce que je t'avais bloqué. Tu es la première personne que j'ai débloquée ce soir. La preuve, je me rappelle. Diana Louange, quelque chose. C'est moi-même qui t'ai débloqué ce soir. Mais tu vois, la preuve, tu es sur mon direct. Donc, ça veut dire que je t'intéresse. Je t'intéresse. Alimata, moi, je ne peux pas vivre caché, ma chérie. Je ne peux pas vivre caché. Pour ça seulement, là. Vive caché, vive heureux. Pourquoi y être me caché? J'ai volé pour quelqu'un. Je n'ai pas volé. Il y a mes personnes que je ne vois pas. Souvent, quand je ne vois pas mes personnes, il y a Angela Koufour comme ça. Ça, c'est ma personne. Ça fait un bon moment que je ne la vois pas. Nous sommes gros. Nous sommes jeunes. Qu'est-ce qu'il raconte? Je ne sais pas si c'est une femme. Maria PC. Toi, pardon. Bon, je pense que j'aurais dû te laisser où tu étais. Attends. Voilà, je t'ai laissé où tu étais là-bas. Je t'ai rebloqué. Ça, c'est pour de bon. À vie. Voilà. Je n'enseigne rien, mais tu es sur mon direct. Et ça? Mon frère de cette île, comment ça va? Ok. Merci pour ta franchise. Nous pas changer. Tata, j'ai mal au cœur pour la titulaire. Ah, la titulaire, mais moi, je sais pas, mais ça me fait penser à une. Ça me fait penser à un buzz. Tu sais, c'est. Il me dit, est-ce que. Mais quand même, elle dit, non, c'est pas. Oui, mais la titulaire, elle souffrait déjà. Je pense qu'elle porte une alliance. Ça dit qu'ils sont mariés ou bien ils ne sont pas mariés. Donc, je ne sais pas, mais ce n'est pas une bonne idée. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas une bonne idée d'aller, ça dit, et puis aujourd'hui avec les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez vu la deuxième vidéo, la deuxième vidéo vraiment où elle a pleuré tout et tout. Vous comprenez? La titulaire a fait une vidéo où elle a pleuré pour dire, voilà. Vous comprenez? Oui, ça fait honte. Saka dit, ok, ça fait honte, oui, c'est vrai. Mais c'est sûr que bon, pour qu'elle soit allée comme ça, faire ça, c'est qu'il y avait du désespoir. Il a déjà dit que si vous voyez une femme qui va faire ce genre de geste-là, Il y a un peu de désespoir dedans. Aller trouver la maîtresse ou bien la copine dehors et puis faire ça. Bon, c'est moi qui te donne l'argent et puis tu es venu ici. Bon, le monsieur aussi, peut-être quand tu as dit ça devant la fille, il a eu honte. Tout et tout, bref. En tout cas, j'ai vu une vidéo ce soir de la Tisa. Elle a du cran quand même, faut le reconnaître. Au début, elle a fait noin-noin comme une chenille. Maintenant, là, elle est déchaînée. Elle n'a qu'à lutter. La personne qui va gagner là, c'est ça. Par elle, la titulaire n'est pas restée à la maison. Elle n'a pas respecté son couloir pour dire à rester chez elle. Elle est partie là-bas, l'a trouver dans un coin là-bas pour aller la périr sur la tête. Donc, bon, aujourd'hui, on dit le gars a pris. Merci beaucoup. La tisa aussi a eu sa dose. Oui, Marianne PC, toi je t'aime, ça fait deux, ça fait les commentaires bizarres, tu m'aimes, elle était même bloquée, donc il faut laisser ça. Faut doser les commentaires, parce que si tu n'as pas dosé un jour, elle me fâcher puis elle te jeter. Bon, bon, non, faut doser de temps en temps. Faut laisser ça. Ismaël Sawadogo, j'ai compris. Laissons ça. Laissons ça. Ok, chérie Lou Yao. Je pense que c'est du buzz. Mais ça fait rire, quoi. Mais donc, des gens qui ne sont pas connus vont faire le buzz comme ça. Je ne comprends pas. Ce n'est pas des gens des réseaux sociaux. Ou bien, est-ce qu'ils font des vidéos avant? Je ne comprends pas cette partie-là. Buzz de quoi? Adjara Zungrana. J'aime les Honda. C'est les Honda que j'aime. J'aime les Honda et les Toyota. Ce sont mes voitures qui sont là. Sinon,
Le Mercedes pas. Quand j'ai allé, quand j'ai d'ici 5 ans là, quand j'ai allé vivre en Floride là-bas, là je prends, en Floride là, là-bas il y a la mer, là je prends une petite Mercedes coupée là, voilà, là quand il m'a en Floride là, c'est bon, c'est ça qui est bon. Ah, en tout cas, au bien profit, la cuisse est des titulaires, ça j'ai bien dit ça, elle est des titulaires même. Tiens, j'ai vu la vidéo où elle parlait. Bon, le gars aussi était dans un véhicule qui faisait beaucoup bougonné, des gens qui étaient dans un bagan sur la route de Gayo là-bas. Mais je voyais, il dit, mais elle parle, mais le gars il regarde pas, il conduit, en tout cas, bref. J'ai regardé et dit non, ça ne ressemble pas à du vrai. Mais ma souffle, Mamadou, tu sors avec mon mari, je t'arrache 10 dents avec mon pilon. Mais et si au moment où tu es parti arracher, puis tu as mal fait, et puis c'est toi qui te retrouves en bas. Il faut éviter ça. Nous, on n'est pas là pour encourager ça. Mais oui, Prisca Obray Ouattara, c'est une actrice ivoirienne? J'ai vu l'image sur Île de Babi, mais je ne la connais pas. Et puis, écoute, tout ce qu'on voit, on prend quand même avec beaucoup de réserve. Prisca Obray Ouattara. C'est une actrice ivoirienne parce que j'ai vu une image où Gou est. Et c'est Gou, Boiri. Oui, M. Boiri était à côté. Élisée, s'il te plaît, attends, j'insiste, n'oublie pas. Mon acapella. Il faut que je pleure dans le réconfort que tu me donnes. Ah oui, Élisée, c'est quoi ton acapella? Oh, afin de venir parler des maraboutages sur les pages là, arrêtez ça, s'il vous plaît. En tout, je prends de vos semblées. Pas en tout, j'apprends de vos expressions. Pas du tout. Quand le Québécois dit pas en tout, ça dit pas du tout. Ok, pas du tout. Ouais. Merci beaucoup, Antoinette. Antoinette Besson, merci beaucoup. Bégnon Elisabeth Ablavi. Oui, parce que les mêmes commentaires que vous me posez, je les retrouve ailleurs. Parfois, si d'autres, ça dit que d'autres vidéos, je vous ai donné l'exemple de cette dame qui fait la cuisine. Je n'ai pas dit son nom ici. J'espère que le jour où je suis en France, je vais aller pour goûter ces tripes FL là. Ça a l'air délicieux. J'aime bien cette dame-là, elle m'a l'air. Mais il y a des jours, cette dame-là, elle sort de ses gonds. J'ai déjà vu sur un direct qu'elle faisait, quelqu'un l'agresser. Je ne vais même pas dire l'injure. Chez nous, on dit, si tu répètes l'injure, c'est comme si tu es en train de m'insulter deux fois. Quelqu'un a agressé cette dame-là. Pourtant, elle était en train de faire la cuisine, tout et tout. Elle expliquait des choses. Mais cette personne-là est sur ma page aussi. C'est pour ça que nous, on dit, c'est ça. C'est les mêmes-là qui s'en vont insulter partout. C'est ça. Donc, ça dit quoi? Qu'est-ce qu'elle avait dit de mal, cette dame-là, ce jour? J'ai dit que j'étais sur son direct et la personne l'a insulté. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est les mêmes abonnés qui traînent sur toutes les pages pour insulter. Tu comprends? C'est ça. Mais je suis vieille, c'est moi qui ai accouché ta mère, Moussa Mafata Doukouri. J'ai accouché ta mère, ça dit ta vieille mère qui est chez toi, là, c'est moi qui l'ai accouché. Chien va. Des gens maudits comme ça. C'est ça? Tu viens me dire, je suis vieille, là, c'est moi qui ai accouché ta mère. Toutes tes vieilles soeurs qui sont dans ta famille, qui sont des rienneuses là-bas, là. C'est moi qui les ai accouchées.
Je dis que vous avez un problème d'éducation. Vous avez un sérieux problème d'éducation. Massa Mafuta Doukouli. Des gens qui ne seraient pas capables d'enlever 10 000 francs pour donner à leur mère chaque fin du mois pour qu'elle mange là. Toi aussi, tu avais me dit, je suis vieille. C'est moi qui ai accouché. Ta mère qui est dans la galère, qui traîne dans une case là-bas. Là. C'est moi qui l'ai accouché. Quand il me dit, je suis vieille. C'est moi qui ai accouché ta mère. Rito, comment tu vas? On dit quoi? Donc, toi, tu es fâché avec ta fille là. C'est contre moi que tu es fâché. Faut m'appeler, hein? Arrête-moi ça. Je suis la maman, je n'ai plus le boulot. Ah! Ok. C'est ça. J'ai dit, mais où est passée ma personne? Hé, hey, Angela Koufo, ça c'est ma personne, ça. Avez-vous des problèmes avec votre mari? Mon cher, faut laisser ça. On n'est pas ici pour régler les trucs. Le foie, comment a été rentré? Bon. Moi, les affaires de maraboutage, là, pardonnez, ne venez pas en sorcellerie, mettre de la sorcellerie sur ma page. Elle a joué la revenante dans ma famille. Ok, je vais voir ça. C'est ça, Adjara Zungrana, c'est ça. Ah, tu vis en Floride. Ok, moi c'est là-bas. C'est ma retraite, c'est là-bas. Tu sais qu'en Floride, la partie de 50 ans, on peut payer les condos là-bas, non? C'est sur ça ici actuellement. Il y a des moyens même de pouvoir payer avant 50 ans. Donc je suis dessus. Ma résidence secondaire, ça va être en Floride. Puis ça ne chauffe pas. Voilà. Je préfère investir dans l'immobilier en Occident. Ici, ça prend de la valeur, ça prend tout, tout, tout. T'as une voix. J'ai vu qu'on dit qu'elle était bâillonnée dans sa maison. Il n'a même pas lui dit que la vieille, c'est une grâce. Si elle lui dit la vieille, c'est une grâce, ça c'est qu'elle lui fait cadeau. Il n'a pas lui dit que la vieille, c'est une grâce. Il a dit que sa mère, il n'a qu'à aller s'occuper de sa mère. Tu vois, il n'est pas capable de donner 10 000 francs chaque mois à sa maman. Toi qui viens dire, enfant, maman de quelqu'un est vieille. Tu n'es pas capable, toi qui as écrit ça là, de donner ne serait-ce que 10 000 à ta mère, ni 5 000 chaque fin du mois à ta maman. Toi, tu as venu me dire, moi, je suis vieille, mais où je suis, je m'occupe de ma mère. Chaque fin du mois, ma mère mange à l'aise là-bas. Voilà. Et puis, maman, là, son ventre est propre. Toi, tu es l'enfant de qui? Tu es l'enfant de qui là-bas? Regardez-moi ça. Oh, merci beaucoup. Happy Thanksgiving. Sarah Deborah, merci. Des gens qui souffrent là-bas, vous venez. Et donc, ils ont tué la femme là comme ça. Ah, Fantasy Dibé, moi, c'est mon rêve qui est là. Merci beaucoup, Maria Jacques Métas. Désolé si parfois j'écorche les noms. C'est mon rêve qui est là. Ma résidence secondaire en Floride. Tranquille. Là-bas, même si tu veux, ton corps n'a qu'à tomber, tu mets ton maillot de bain au bord de la mer. En Afrique, tu es vieux, tu ne veux pas mettre maillot de bain. Ils m'ont dit, il y a cette vieille sambale là. On s'est moqué de toi. Là-bas, on ne se moque pas de quelqu'un. Je suis déjà allé, j'ai déjà vu là-bas, au bord de la mer. Les vieux cochonnis là avec leurs femmes. C'est pour ça que c'est ma destination finale. Il n'y a pas beaucoup d'enfants, donc je peux réaliser mes rêves. C'est quand les enfants sont comme ça, là, tu parles dans la bouche seulement. Et puis demain, tu te rappelles que les enfants sont encore là. Ils ne sont pas beaucoup. Je peux réaliser les rêves. Ok.
n'y a pas de problème. Dieu est grand, Adjara. Adjara Zungrana. Dieu est grand. Et qu'est-ce que... Aïe, occupons-nous de nos moments vivants. Quelqu'un qui s'occupe de sa maman, tu as une... Là, tu as venu toi et moi en parler. Toi, tu es derrière, tu es caché derrière les réseaux sociaux. Tu as une jolie femme comme moi, tu as me dit, moi, je suis vieille. Mais moi, je suis vieille, mais moi, je m'occupe de ma mère. À mon âge, là, je prends soin de ma maman. Maman, là, chaque fin du mois, je prends soin d'elle. Même si elle a les imprévus, je prends soin. Voilà. C'est ta réponse, c'était donnée le soir. Va dormir, elle, ça. Tu finis, tu allais dormir dans ta bicoque là-bas et puis tu as pensé à ça. Moi, je n'ai pas peur de vieillir. Hein. Je vous ai dit mon âge, 45 ans bien sonné. Mais c'est quand tu m'envoies ça comme un jus là, je te ramène ça comme un jus aussi. Ma Joujou, comment vas-tu? Et la journée, ça a été? Ouais, ces deux jours-là, je ne t'ai pas répondu parce que j'étais un peu occupée. Ah, si tu ne connais pas mon âge, moi je n'ai pas honte de dire mon âge. Allez sur les autres pages là-bas. Moi je ne vous ai pas appelé ici. Maman, le premier commentaire, c'est tout. Je vais te marier, métier d'air. Ah, Traoré, toi tu veux me marier. Donc c'est toi qui vas être le rival du roi là. Ah, là il faut attacher la ceinture. Hein? Bah, le roi là, c'est un mari exemplaire. Et toi, tu es capable de laver les assiettes, tout ça, pendant que moi, je suis assise. C'est ça, hein, Traoré Taïrou. Et tu es capable de balayer tout et tout, pendant que souvent, je suis assise, quoi. C'est comme actuellement, il est en train de faire direct, là. Il peut prendre le balai et puis il va balayer. Tu as eu la dernière fois, non, quand il faisait le direct, là. Après, les gens m'ont appelé pour me dire, mais l'impacteuse. Quand il faisait le direct et puis je le regardais, il était énervé, il balayait là, c'est par réflexe. Il dit que c'est après, il s'est rendu compte qu'il dérangeait mon direct. J'ai dit que, mais tu pouvais attendre après. Quand il est revenu du travail, il a déposé son manteau là. Il avait vu que moi, il n'avait pas encore balayé la maison. Il a dit, ah, madame, là, elle est dans son direct, j'ai nettoyé. Bon, est-ce que ça, là, toi, tu peux faire ça pour moi? Quand elle te dit de faire, tu as dit qu'elle te commande. Ou bien, tes parents m'ont dit qu'elle l'a bassé. Tu comprends, non? Alors que c'est pas à faire des basses. C'est pour ça qu'il dit là. Je suis que la femme du roi. Je ne peux qu'être la femme du roi. Parce que c'est l'homme qui me convient qui est là. Sans façon. Il ne dit pas que ça, c'est travail de femme. Ça, c'est travail de... Lui, il fait tout dans la maison. La seule chose qu'il ne fait pas, il ne sait pas cuisiner. Il ne sait pas cuisiner. Et la cuisine, j'en prends soin. Mais tout le reste, nos habits, tout, c'est lui qui repasse. C'est lui qui fait tout. Est-ce que tu es capable de faire tout ça? Si tu es capable de faire ça, il y a de trouver une femme. Il y a de trouver une jolie femme aussi. Mais, et ça, vous dites que vous voulez vous marier, mais oh, merci beaucoup, Yolande Taka, merci. Ouais, comme a dit Fantasy Dibé, elle, l'image est belle, mais elle n'aime pas l'automne, parce que ça annonce le, comment on dit ça, ça annonce l'hiver, c'est vrai, j'ai aimé cette parole-là, c'est vrai. Merci beaucoup. C'est ça qu'elle a. Merci Conan Luke. Merci. Merci. Non, mais c'est vrai, Lynn Gozo. C'est qu'elle dit, c'est la vérité. C'est qui fait la d'autres vont dire que non, elle a bassé. C'est pas fait de bassé. C'est son comme ça même qui est là. Donc, ouais. Merci beaucoup, Taylor Cassie. C'est ça. Voilà, il ne faut pas que... Ouais, quand ça commence, on va dire, ah, il a bassé, le gars, il a bassé. On n'a pas bassé quelqu'un ici. On n'a pas bassé quelqu'un. Voilà. Donc... Non, officier Kabongo, comment ça? Comment tu peux dire ça? Merci. Mais c'est qu'il a dit là, t'as pas entendu Traoré Taïrou Ismaël. Non, je ne trie pas les noms. Ah, pas dit ça. Voilà, Lynn Gozo. Conan Loukou Sandrine, comment tu vas? Dja Valérie.
Ange Patrick Mea. Aïe! Merci beaucoup, Ange Patrick Mea. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, les Québécois, quand ils me voient ici, là, quand ils leur donnent mon âge, ils disent que je ne fais pas mon âge. Ça, c'est clair. Ils me disent ça. Ah ouais, pour de vrai? Bon, eux aussi, souvent, ils n'arrivent pas à reconnaître. Eux, souvent, ils sont là, ben, je pensais que tu avais 25 ans. Je pensais que tu avais 30 ans. Ben non, je n'ai pas 25 ans, là. Je ne sais pas sur quels critères ils définissent pour eux, là. Aïe, Jessica Kadinia Yaouré, quand tu fais direct, ce sont tes doigts, je regarde, c'est ok. Ah, merci. Mais Quinto là, c'est pas quand on met, ou bien, c'est pas quand on met les produits qu'il y a les Quinto. Moi, c'est quand je vois, hein. Ou bien, en tout cas, c'est quand je vois. Merci. Merci beaucoup, Lynn Gozo. Je me vends trop cher. Ah, cher. C'est qu'elle suit, c'est ce qu'elle dit là. Voilà, le crime s'est passé à la Riviera Palmeraie. Nous ne sommes pas plus en sécurité. Mais ça, c'est. Est-ce que c'est des inconnus qui sont venus comme ça pour l'agresser? Des inconnus ne tuent pas quelqu'un comme ça. Des inconnus vont rentrer là. Ou bien ça, c'est comme ça. Elle était quand même un personnage public. Elle était quand même connue à Abidjan. Donc, des inconnus vont venir comme ça pour la tuer là-bas. Ah, ça fait peur. Ah, Léa m'a dit basse ou bien. Laver les assiettes et puis après aller déposer les. C'est ça la vie au Canada. Ah, Angela Koufou, tu connais, tu es ma personne. C'est ça. Ah, je n'ai pas menti, hein. Même quand Wendy était petite là, jusqu'aujourd'hui. Si Wendy est malade, c'est lui qui la compare à l'hôpital. De toute façon, d'autres femmes, il y a certaines femmes qui ont ce problème là ici, elles, les hommes. Quand l'enfant tombe malade comme ça pour l'envoyer à l'hôpital, lui ne veut jamais manquer une journée de travail. Je connais d'autres femmes qui me suivent qui ont ce problème-là avec les hommes en Occident. On veut toujours que ce soit la femme qui manque le travail. Pour qu'elle, toujours, c'est sa paye qui va diminuer. Il y a des hommes qui n'envoient jamais l'enfant. Wendy, tout le temps qu'on était, la seule fois où moi j'envoyais Wendy à l'hôpital parce qu'elle est asthmatique, donc elle nous a fatigués, elle l'asthme ici. Dans le mois, au moins deux fois sur la route de l'hôpital. C'est lui qui l'envoie à l'hôpital. Moi, je l'envoie à l'hôpital que quand lui, il était à l'école. Parce que c'est difficile de manquer l'école aussi ici quand tu es en formation. Comme lui, le Kokumbo, l'étudiant, il a toujours voulu aller à l'école, il va à l'école. Donc, c'est ça. Non, on dit que non, ça c'est pour la femme, ça c'est l'homme. Merci, Perpétu. Oh. Les marabouts, là, je vous en prie, arrêtez ça. Jean-Marie Bayala, laissez à faire des marabouts, là. Il y a marabouts en Afrique et puis on souffle là-bas. Laissez ça. Il m'a aidé à sauver mon mariage. Pardon, laissez ça. Hey, merci. Oh, Maxime Conan, merci. Depuis Bruxelles, je vous fais un big up, simplement. Oh, merci beaucoup, une bonne, merci beaucoup. Je vous souhaite aussi un bon dimanche là-bas. Je suis en train de parler comme ça. Oui, hein, Ibrahim Sangaré, on est venu à faire des marabouts ici. Il dit qu'il n'y a pas de marabouts, laissez ça. Un marabout et puis on souffle là-bas en Afrique. Il y a trop de problèmes là-bas. Je suis pas dans ça. L'essentiel là, quand tu as eu ta cote, tu as eu ta cote. Quand tu as eu ta cote là, tu as eu ta cote. Oui, c'est un homme humble. Il est humble, bon. Il a toujours trouvé ça, il a toujours trouvé ça normal, donc. Il a toujours trouvé ça normal. C'est pas ici que ça a commencé aussi, c'est depuis le pays.
Yon Satia, salut, comment ça va? C'est un direct de Jazette, de tout ce que vous voulez. Je sais même pas ça fait. Moi, je sais pas pourquoi je vois pas l'heure sur mon direct. Je vais te rappeler un peu après, Chanel. Ouais. Merci beaucoup. Comprenez? En tout cas, Yann Satia, le sujet du jour, c'est que je suis là pour dire merci à mes impactés. Parce que j'ai beaucoup d'impactés qui me font beaucoup d'honneur. Je reçois beaucoup de messages de mes impactés. Vraiment, qui m'ont fait beaucoup d'honneur. Beaucoup de cadeaux aussi, j'en reçois. Mm-hmm. Ce que je vous montre, ça, c'est ce que j'ai essayé d'étirer un peu pour leur dire, mais vous ne pouvez pas tout me donner les choses. Et puis, ça a passé sous silence. Et puis, bon, il dit, bon, l'impact, tu peux dire, mais sans dire mon nom. Ça, c'est ce que je vous montre. Sinon, ce que je ne vous montre pas, des États-Unis, de la France, je ne peux pas vous citer. Il y en a plein. Il y a quand même un frère ici, là. Il dit, comme tu aimes le café, il a payé une boîte de café comme ça. Les cafés, les petits copes de café. Oh, Marianne PC, toi, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes, tu es toujours là. Mm. La paix comme ça, une boîte de café. Il m'a dit, l'impact, je t'envoie le café. Bref, pour vous dire merci. Mais pour Guinzin aussi. Mm. Par exemple, j'ai Guinzin au début, là. Sur les aigris. Mm. Les aigris qui viennent sur ma page. Qui ne m'aiment pas, mais tu viens, qui viennent sur ma page. Mm. Parce qu'on avait volé ma voiture, j'ai vu quelqu'un qui a mis des commentaires. Et cette personne, je l'ai vue quelque part. Mm-hmm. Là-bas. Elle m'a dit, c'est bien fait pour elle. Mais comment tu peux dire c'est bien fait pour quelqu'un dont on a volé la voiture en Occident? Je n'ai pas dit qu'ils ont volé ma voiture au village. J'ai dit en Occident. Mm-hmm. Donc, les assureurs ont parlé. Dans malheur, là, finalement. Je vais avoir une superbe voiture déjà payée de par mes assurances. Tu aimes quoi sur toi-même? Bon, j'ai pas bien compris ce que tu as dit, donc je vais laisser comme ça. J'ai dit quoi? Tu aimes quoi sur toi-même? Tu parles de quoi de bon? Bon. On sait que l'impacteuse a toujours parlé des sujets intéressants. Donc, je ne vais pas prendre ça personnel, ce que tu dis. Mm-hmm. À moins que je n'ai pas bien compris ce que tu dis. Sinon, tu peux ne pas aimer l'impacteuse, mais... Oui, mon mari, je vais venir te donner le numéro tantôt. Je suis dans mon break et je salue mon frère Gagou. Ma chérie. Ah, ok, d'accord. Et il n'est pas Gagou, il est Gouro même. Il n'est pas Gagou, il est Gouro Doumé. Il y a les Gouro à Oumé, non? Voilà. Il est Gouro Doumé là-bas. Mm-hmm. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de problème, Zena Maïga. Il n'y a pas de problème. À Vancouver, là, pour aller là-bas, là, c'est avion. Moi, pour prendre l'avion dans le Canada, là, j'ai peur. Donc, en tout cas, le lieu de prendre l'avion, c'est que c'est pour sortir. Ouais, c'est ça. Non, ça ne dérange pas. On est sur les réseaux sociaux, on peut se tutoyer, mes gars. Mais sinon, il paraît qu'il y a un bon climat à Vancouver. Je ne suis jamais allée à Vancouver. Mm-hmm. Voilà. L'impact, je vous aime beaucoup du sujet santé. Merci beaucoup, Cynthia Kouabna, épouse à moi. Merci. Mm-hmm. Merci beaucoup. Tu es dans quel état là-bas? Aux États. Yolande Taka, comment va? En tout cas. Merci pour le cœur. Hmm? L'enfant de quelqu'un, ils sont allés la tuer dans sa maison. Yambi. C'est pas possible. Ouais. Ma Juju, comment tu vas? Ah, mais c'est ça. Marianne PC.
La personne m'a dit, c'est bien ça, c'est bien fait pour elle. Tu as vu ça? Je t'ai fait quoi? Et puis ils ont volé ma voiture. Puis tu dis que c'est bien fait. Qu'est-ce que je t'ai fait? La personne a dit ça, a écrit ça, elle est sur ma page. Elle dit d'accord. Ok, au Texas. Ok. Mais ok. Je ne suis jamais allée au Texas. Mais j'ai une, ma belle famille là-bas. Merci beaucoup, Léa Saint-Cylienne. Merci. Charlène Dougou. Salut à toi. Comment vas-tu? Bon. Comment? Oui, oui, quelqu'un m'a dit ça. Quelqu'un m'a dit ça. Ouais, quelqu'un m'a dit ça. La voiture, on ne m'a pas volé ça dans ma main. Ça dit, souvent les gens posent des commentaires, mais ils n'imaginent pas l'impact que ça peut faire sur toi. Ça ne m'a pas dit quelque chose, mais mon mari est parti travailler, il sort du travail, femme, il constate que la voiture n'est pas là. Il m'a appelé, il dit, chérie, il y a un problème, la voiture, j'ai eu peur. J'ai dit, j'espère. C'est un accident. Il dit, non. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, je ne vois pas la voiture. Imaginez-vous quelqu'un qui a travaillé de nuit, il sort du travail, il ne voit pas la voiture. J'ai dit, bon, faut te calmer. Tu as appelé la police. Il dit, oui, j'ai appelé, j'attends. J'attends. On était déboussolés et tout, mais lui, comme c'est dans la main que la voiture est perdue, je voulais pas qu'il soit battu. J'ai dit, non, chérie, faut te calmer, tout et tout. J'ai mis ça, tout et tout, sur la page, mes impactés. Excusez-moi, je vais mettre un peu la luminosité. Ça, c'est trop fort. C'est bon, non? Si la lumière... Et puis, j'étais en train de lire les messages, et puis j'ai vu quelqu'un a dit que c'est bien fait pour toi. J'ai dit, ok, c'est bon. Non! L'assurance a réglé ça. Moi, c'est ça, on dit, j'aime pas mal. Moi, toutes mes choses, c'est réglo. Ça dit, il y a des trucs même, quand je prenais cette voiture, il y a des choses que j'ai mis dedans. Et puis bon, vers la fin aujourd'hui, l'assurance s'occupe de ça. Dieu est grand. Envoyé, on m'a dit, la voiture où je vous avais vu, on m'a proposé ça, mais non, ça ne me plaît pas. Ça, c'est pas. Je préfère mon ancienne voiture. Inch'Allah, croise les doigts. C'est pas grave. Tu as dit que c'est bien fait pour moi, c'est pas grave. La vie continue. Merci. La caméra était en panne, selon ce qui a été dit. On dit que la caméra ne fonctionnait pas. Ouais. C'est-à-dire l'angle dans lequel lui, il était. Voilà. La caméra ne fonctionnait pas dans l'angle. Donc, merci. Oui, même au campement, on peut ne pas t'aimer, ça c'est clair. On peut ne pas aimer quelqu'un dans le campement. On vit, nous tous au campement, on est dans la souffrance, mais il y a d'autres qui n'aiment pas certains là-bas. Ouais, on s'est réjouis. Pourtant, je ne me suis jamais réjouis du malheur de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Jamais. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont eu des malheurs que j'ai exprimé ma façon, mais je ne m'étais jamais réjouis. Mais quelqu'un s'est réjoui de mon malheur. Et quand je me suis réveillé, puis j'ai vu que la voiture n'était pas là, ça m'a perturbé un peu. J'ai dit, mais donc ils ont pris la voiture comme ça. Bon, comme mon mari était déjà déboussolé, j'ai dit non, je ne vais pas être trop stressée. Puis bon, les assureurs aussi nous ont dit, parce qu'au début, j'ai espoir qu'on allait la retrouver, pour être honnête avec vous, mais ils nous ont dit, cette voiture, on ne la retrouve jamais, oubliez ça. Donc, c'est ça là. Bon, mes gens, je vous aime là. Il est déjà soir, il est déjà nuit là. Je vais vous laisser, merci. Vous avez contribué au direct. Mes personnes, comme je vous appelle. Ouais, mais c'est ça, Angela Koufo. Toi qui es au Canada, tu peux jamais dire, c'est bien fait, ils ont volé sa voiture. Des gens qui vivent ailleurs aussi, qui ont des voitures. Des gens qui ont leur vie tranquille, ils n'ont pas bien dit que c'est bien fait qu'ils ont volé la voiture de quelqu'un. Non, tu ne peux pas dire ça. Et puis, les gens ont pensé que non, est-ce que ce n'est pas les détracteurs? Non, ce n'est pas des détracteurs. Si c'est avec moi qu'ils ont volé, s'ils ont volé dans mon parking et autres, tout et tout, je peux dire non. Là-bas où ils ont pris, là, ce n'est pas des détracteurs, mais c'est juste des voleurs. C'est juste des voleurs. Ils ont volé. Que voulez-vous?
D'accord, ben moi je vous aime bien. Je vais vous laisser. On est toujours ensemble. Portez-vous bien. Et puis demain, c'est l'action de grâce. Normalement, on fait une dinde, on invite des amis, on invite de la famille. Mais malheureusement, avec la crise de COVID, on ne peut pas recevoir. Donc, on reste à la maison, comme ça. Merci beaucoup, merci. Merci à tous. Que Dieu vous garde demain. On est déjà en début de semaine. Que Dieu vraiment fortifie tout le monde. Que Dieu accompagne tout le monde dans ce début de semaine. Et puis bon, ciao, ciao. Au revoir.